Bien. Eh bien, me voilà prêt. Pas de démonstration de produits, de blaireautage et compagnie. Les produits, c'est les mêmes que la fois précédente, c'est-à-dire le père Lucien, l'huile du barbu pour la barbe et en avant-rasage, et le savon à raser du Forum Rasage Traditionnel 2016 pour la mousse. Avec le blaireau que voici, Forum 2016 aussi, de Mister Red. Donc, allons-y, dément, avec, que je ne me gourge pas, le Tecmatic. Alors, première constatation, il va pas bien poser dans les supports du fait de sa forme. Ça, c'est un premier mauvais point. Bien entendu, tous les supports que vous pouvez utiliser pour poser vos rasoirs, bah, ça ne va pas très bien avec ça. Alors allons-y. Tranquille et détendu. C'est une recharge qui a quand même 50 ans, ou presque. Est-ce que la lame est encore bonne? Ou est-ce que je vais me charcuter la tronche? Bon, on verra. Allons-y. C'est plutôt pas mal. Ça se rince plutôt bien, surtout avec un poil long. On pouvait avoir des doutes. Ça s'encrasse pas du tout. Ça c'est bien. On la sent vraiment pas la lame. C'est vraiment doux. Allez, je vais pousser un peu le réglage. Barbe dure. Alors j'ai poussé que d'un cran. On a 5 crans en tout. Ça change pas grand-chose, mais j'ai l'impression que c'est juste impossible de se couper avec. Vraiment pas d'angle. Et ça s'encrasse absolument pas, et pourtant il y a du poil dedans. Oui, il n'y aura pas besoin de deuxième passe. Pour l'instant, c'est vraiment convaincant. Voilà, j'ai coupé le chauffage. On entendra mieux le bruit de la lame.
Le fond. Ouais, ça commence à moins bien raser quand il faut rincer, mais juste rincer quoi. Pas besoin de desserrer quoi que ce soit, de. Ah, c'est bluffant. En fait, c'est vachement doux. Allez, j'y vais à nu. Là, il n'y a plus de mousse. Oh là là, tu sens rien. Sans ça rase. Bon. Bon, bah, je crois que ça va être mon nouveau rasoir préféré. Incroyable. Ouais. Pas BBS dans le cou, qu'une seule passe. Et pas franche en plus, parce que j'ai commencé par là. Alors la lame, je commence à sentir un petit peu d'irritation sur la peau quand même. C'est-à-dire que c'est bizarre parce que on la sent pas passer, mais c'est un peu irritant quand même. Mais bon, rien qui ne soit, à mon avis. Rédhibitoire avec un bon après-rasage. Manifestement pas besoin d'appuyer. J'ai pas fait gaffe. Une grande beauté, à mon avis. Il a pris. Non, non, même pas. Non. Là, je crois qu'avec un autre rasoir, il aurait pris. J'aurais pu faire la démonstration des feuilles à raser. Enfin, des feuilles à raser. Des feuilles à rouler pour les coupures de rasoir. Eh ben non, ce ne sera pas pour cette fois. Bon, ben c'est pas mal. Juste le rangement qui est pas terrible. Mon pile pas tout à fait BBS dans le cou, mais un bon DFS. Damned Fine Shave. Avec mon accent de vache espagnole.
résultat des courses, il semblerait que le premier système à recharge de Gillette était bien supérieur au multilames actuel. Gros avantage, ça ne s'encrasse pas. J'ai quand même une barbe de près d'une semaine. Et 4-5 jours, un truc comme ça. Et 3 ou 4. Mais bon, à l'arrivée, aucun encrassage. Contrairement au rasoir à 15 lames qui vous sortent maintenant. Ou un poil de longueur pas militaire, essayez, on peut changer la recharge et au prix des recharges. Ça dit, ça ne devait pas être donné à l'époque. Le système, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas perduré. Parce que ça m'a l'air assez complexe comme système de recharge. Et à l'arrivée, mon avis, c'est pour ça qu'ils ont dû lâcher l'affaire. Parce que niveau efficacité, c'est redoutable. Redoutable. Bien. Eh bien, si vous avez l'occasion d'acquérir un gilet Techmatic avec un ruban qui se situerait sur 5, 6 au niveau du compteur, ben, je vous conseille. À voir combien on fait de rasage sans devoir avancer le ruban. Ils disent des semaines. Ça doit être à mon avis une semaine de rasage, un peu plus pour moi parce que je ne me rase pas tous les jours. Et ça doit être cet ordre-là. Donc, si comme moi par sécurité vous enlevez le premier rasage, la partie exposée, donc pour le positionner sur 4, comme j'ai pu le faire là. Avant de commencer, donc avec une recharge et un rasoir, vous en avez pour un mois de rasage. Donc si vous voulez faire l'expérience, ben, moi je vous conseille. Franchement, ça va beaucoup, beaucoup mieux que les rasoirs actuels. On a l'avantage en fait. On a l'avantage du bic bar métal qui ne s'encrasse pas. Hein, pour comparer à des jetables, puisque c'est quand même un système à recharge. Sauf que le bic bar métal, il rase pas de très près. Ça rase vraiment de près. Hein. Et c'est très, très sécuritaire. Là, le grain de beauté, là, où il suis allé comme un sauvage dessus, avec un angle bien droit, avec un n'importe quel autre rasoir, je pense que... vous auriez vu de l'hémoglobine, mais avec ça, non. C'est très, très, très sécuritaire. Voilà, donc ma première expérience au gilet Techmatic, c'était Plexus pour rasage traditionnel, le forum. À bientôt pour d'autres vidéos de rasage, ou pas.